31 years. This is the first 31 years. She's walking. 31 years. Amen. Believing God for a baby. Two babies, not just one. He was blind. Alléluia, Dieu vous bénisse, bienvenue sur Réveil sans nombre, mon heure a sonné, mon heure a sonné, notre heure a sonné, mon heure a sonné, mon heure pour la faveur a sonné, mon heure pour la percée a sonné, mon heure pour l'élévation a sonné, mon heure pour les bénédictions a sonné. Psaume 102, 13, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié dès le temps fixé est à son terme. Romains 15, 16, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu dans notre vie et c'est ce que Dieu dit pour nous ce matin, que voici notre saison de miséricorde et de faveur dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes aujourd'hui ou tout ce que nous allons devenir dans la vie, c'est par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10, Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu qui est avec moi. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu qui est avec moi. Et la Bible dit également 1 Samuel 2, 9, car l'homme ne triomphera point par la force. Et Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jésus parlait dans Jean 3, 27, il a dit clairement, un homme ne peut recevoir que celui, à qui, que ce qui lui a été donné du ciel. Donc tout ce que vous croyez, tout ce que vous désirez avoir aujourd'hui, d'accord, doit être d'accord, offert pour vous par le ciel. Donc tout ce que nous demandons, en fait, nous est libéré par le ciel. Tout ce que nous demandons nous est donné par le ciel. Et donc nous sommes excités de ce que Dieu fait dans nos vies. Et Merveille sans nombre est une plateforme de prière, un hôtel de merveille où les gens sont entraînés à l'acte de la prière et deviennent amoureux et passionnés de la parole de Dieu. Et donc nous prions selon les Écritures. Et rappelez-vous, le thème de ce mois, c'est un thème assez puissant qui dit, c'est accompli, c'est réglé. C'est réglé au nom de Jésus. 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 Dans Psaume 119, 89, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La parole de Dieu subsiste à jamais dans les cieux. Et je sais que Dieu va établir votre vie et que ce qui est établi dans le ciel sera également établi sur la terre dans votre vie. Et je crois que quelque chose de grand va se produire dans votre vie entière dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier aujourd'hui. Donc si vous nous suivez, eh bien likez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et commencez à partager. Partagez au maximum autant que vous pouvez. Et invitez vos amis, dites-leur que Merveille sans nombre a commencé. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, Dieu veut nous exaucer et il va nous exaucer par le feu. La Bible nous dit dans Psaume 25, 22, « Oh, délivre Israël de toutes ses détresses. Seigneur, délivre Israël de toutes ses détresses. » Donc, nous allons personnaliser ce verset. Donc, on va prier pour nous-mêmes. « Seigneur, délivre-moi de tous mes problèmes. » Seigneur, délivre-moi de tous mes problèmes.
Seigneur, délivre-moi de tous mes problèmes. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes problèmes. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes problèmes. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes problèmes. Seigneur, délivre-moi 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 de tous les problèmes. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes problèmes. Répétez après moi, Seigneur, délivre-moi de tous mes problèmes. 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 Ouvrez votre bouche maintenant et priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de tous mes soucis. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes problèmes. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes troubles. Délivre-moi, Seigneur, de tous mes troubles. Délivre-moi des troubles de ma vie. Délivre-moi de tous mes troubles. Délivre-moi de tous mes problèmes. Délivre-moi de tous mes soucis. Les problèmes liés à ma vie, à ma destinée. Les problèmes liés au fondement familial. Les problèmes liés aux alliances maléfiques sur ma vie. Les problèmes liés à ma famille. Les problèmes liés à mon lieu de travail. Les problèmes liés à mon ministère. Les problèmes liés à mes affaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de tous mes problèmes. Délivre-moi de tous mes soucis. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Da 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 da
Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que tu vas nous délivrer de tous nos problèmes. Tu te lèveras et tu nous sortiras de tous nos problèmes. Peu importe ce que tu importes, comment l'ennemi est beaucoup autour de nous, tu vas nous préserver d'eux. Dans la journée, tu nous préserves. Dans l'après-midi, tu nous préserves. Dans la nuit, tu nous préserves. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. I decree upon you and your children. Je déclare sur vous et sur vos enfants. Je déclare sur vos épouses. Et tout ce qui vous est cher, que Dieu va rendre votre vie libre de problèmes. Vous êtes préservé de batailles et de problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un, votre peau est remplie de taches. Parce que je vois en fait qu'il y a un vêtement maléfique qui vous couvre, mais Dieu est en train d'enlever ce vêtement maintenant. Et je vois une chair toute fraîche que Dieu est en train de vous mettre dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour papa, je veux rendre gloire à Dieu pour m'avoir guéri mes jambes enflées après avoir utilisé l'huile bénie par papa et de m'avoir également donné de l'argent miracle. Je voudrais également remercier Dieu pour mes fiancées après m'être connecté aux déclarations de mariage. Merci Jésus. Félicité de l'Afrique du Sud. Père, je déclare que tous ceux qui croient en toi pour se marier, c'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Marie, je viens rendre gloire à Dieu, au Dieu de merveille sans nombre, pour m'avoir montré miséricorde et faveur. Avant d'obtenir mon diplôme d'infirmière, j'ai rêvé que mon nom ne figurait pas sur la liste des personnes appelées et on m'avait demandé de me retirer. Mais papa est venu et a dit que la faveur avait déjà parlé pour moi. J'ai appelé le centre de prière, mais avec son nombre représentant à prier avec moi. Je me suis également connectée au témoignage de personnes qui ont réussi leur examen. Dieu m'a fait miséricorde et j'ai réussi mon examen avec succès. Merci Jésus, Marie de Chicago, aux USA. Seigneur, nous réclamons le même témoignage pour tous ceux qui se connectent à ces témoignages et également pour ces examens. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez vos témoignages. Amen. Bonjour, papa. Je veux remercier Dieu pour sa préservation sur ma vie et ma famille. Je veux aussi remercier Dieu de m'avoir béni avec une maison miraculeuse. Merci, Jésus. Lola de Géorgie.
Dans le nom de Jésus, je déclare que votre maison miraculeuse vous soit libérée au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Favor du Ghana. Ma mère avait une tumeur dans le dos près de sa colonne vertébrale. Elle a subi trois opérations, mais la tumeur a continué à se régénérer. Puis, après un certain temps, j'ai également remarqué la même tumeur similaire apparaissant dans mon dos au même endroit que la sienne. J'ai commencé à appliquer l'huile bénie par papa et durant la prière de ma veille sans nombre, papa a déclaré sérieusement que les tumeurs disparaissaient et j'ai dit Amen. Merci Jésus, ta tumeur a vraiment disparu. Alors, tout ce qui se trouve sur votre corps de façon externe, interne, qui n'est pas de Dieu, tout corps étranger disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare la puissance de guérison. Je déclare la puissance de guérison. Je déclare la puissance de guérison. Je déclare la puissance de guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 21, psaume 25, il a dit que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant. Seigneur, préserve-moi et aide-moi à être espérant. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Préserve-moi, Seigneur, et aide-moi, apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, protège-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Dis mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, protège-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, protège-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Ouvrez votre bouche maintenant et priez dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, préserve-moi et apprends-moi à être espérant en toi. Préserve-moi, Seigneur, et apprends-moi à être espérant en toi. Préserve-moi, Seigneur, et apprends-moi à être espérant en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Préserve-moi, Seigneur, et apprends-moi à être espérant en toi. Saint-Esprit, aide-moi à être espérant en toi, Seigneur. Aide-moi à être espérant en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, I'm not going to do that.
Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, apprends-nous à être espérants en toi
Apprends-nous, Seigneur, à être espérant en toi. Aide-nous. As one that waited upon a maid. Aide-nous, Seigneur, comme celui qui attend sa fiancée. De la même façon que l'ouvrier attend ou fait confiance à son maître, Seigneur, aide-nous à être espérant en toi. Et David a dit que mes yeux sont toujours élevés sur l'Éternel, car il va positionner, il va sortir mes pieds de la boue. Et David a dit, voici, je vais lever les yeux vers l'Éternel, car mon secours vient de l'Éternel. Il a dit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, apprends-nous à être espérants en toi. Nous recevons cette vertu, cette grâce maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Témoignage. Bonjour papa, je veux remercier Dieu pour la façon dont Merveille sans nombre m'a transformé la vie et a rendu ma vie spirituelle plus sérieuse. Je veux remercier Dieu également d'avoir couronné mes efforts de succès dans mes études secondaires. Par l'aide de Dieu, j'ai obtenu 10 certificats et étant la meilleure parmi mes pairs. Français, en effet, il est évidemment payant d'accord de servir Dieu. Merci Jésus, Paul Brank de l'État de Kaduna. Merci, dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, vous serez démarqué au milieu de vos pairs dans le nom de Jésus. Bonjour papa, je m'appelle Niji et je suis basé au Canada. J'ai envoyé une demande de prière pour obtenir un quart de nuit dans mon travail actuel. Deux jours plus tard, la demande m'a été accordée. De plus, le 1er août 2024, papa a fait une déclaration sur les jobs de miracle et j'ai dit amen. Je me suis connecté et j'ai reçu de bonnes nouvelles pour un deuxième emploi pour lequel j'ai postulé depuis avril 2024. Je remercie également Dieu de m'avoir accordé un visa canadien à un de mes amis, d'accord, après que j'ai soumis cela comme une demande de prière. Merci Jésus. Je déclare que toute personne qui désire avoir un emploi, que Dieu vous donne des emplois qui vont changer votre statut, que Dieu vous donne des emplois qui vont vous donner de la joie, dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour papa, je remercie Dieu pour sa miséricorde sur ma famille. Mon fils a été guéri d'infections et de douleurs au niveau des oreilles et au nez et à la gorge après les déclarations de papa le 29 juillet 2024, quand papa a demandé que nous mettions nos mains là où nous avions mal. Papa avait déclaré que quelqu'un avait mal à la gorge et que tout ce que l'ennemi avait mis dans son système, que cela s'arrête maintenant. Gloire à Dieu, mon fils s'est endormi et s'est réveillé sans aucun autre symptôme. Merci Jésus. Kassa Osa Komwe du Benin City au Nigeria. Je vois quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la gorge et vous avez du mal à respirer parfaitement bien. Alors tout ce que l'ennemi a introduit dans votre système respiratoire s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 17, maintenant, d'accord, de Psaume 25, toujours, les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. La raison pour laquelle nous prions selon les Écritures, parce que utiliser les Écritures, c'est comme retourner sa parole à lui, retourner la parole de Dieu vers lui. Donc, il a parlé aux créatures et les créatures retournent sa parole à lui. Et dans 1 Jean 5, 14, on dit que voici, nous avons l'assurance que chaque fois que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et je l'ai toujours dit que sa volonté, c'est son testament. Quand nous demandons, quand nous prions, il nous écoute. Il a dit, les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Ô Seigneur, sors-moi de ma détresse. Ô Seigneur, sors-moi de ma détresse. Ô Seigneur, sors-moi de mes détresses. Ô Seigneur, sors-moi de mes angoisses. Ô Seigneur, sors-moi de mes angoisses. Ô Seigneur, sors-moi de mes angoisses. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Sors-moi de mes détresses. Ô Seigneur.
Oh Seigneur, sors-moi de mes angoisses. Ouvrez votre bouche maintenant et priez dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sors-moi de mes détresses. Sors-moi de mes angoisses. Dans le nom de Jésus. Sors-moi de mes détresses, Seigneur. Sors-moi de mes angoisses. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te remercions pour ta gloire, pour ton esprit, pour ta grâce et pour ton onction. Merci Seigneur, car voici la confiance que nous avons. Nous avons l'assurance que tu nous écoutes. Merci car tu es la résurrection et tu es la vie. Tu es celui qui était mort mais qui est vivant maintenant à jamais. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous te disons merci et nous te présentons notre vie. Nous te demandons Seigneur, délivre-nous de nos batailles. Délivre-nous de nos problèmes. Délivre-nous de nos limitations. Délivre-nous de nos douleurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel. Et que tu n'oublies pas tous les bénéfices de l'Éternel. Nous venons devant ta présence ce matin. Et nous déclarons, Seigneur, que nos vies commencent à jouir de ces bénéfices, de ces avantages à te servir dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un, vous avez quelque chose qui est coincé dans votre gorge depuis un bon moment maintenant. Soyez délivrés maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un du nom de Israël et vous avez beaucoup de dettes. Dieu dit qu'il paye, il rembourse vos dettes et il vous donne des miracles au nom de Jésus. Je vois un jeune pasteur, pasteur des jeunes dans une église. Et il y a des allégations qui se sont soulevées, qui ont été faites contre vous. Et vous êtes innocent et tout le monde croit que vous êtes coupable. Mais Dieu va vous défendre et il vous viendra. Il viendra à votre secours dans le nom de Jésus. Je déclare que le Dieu du ciel vous donnera la paix.
Dieu dit une paix qui dépasse tout entendement. Dis au nom de Jésus, je reçois la paix qui sort de tout entendement. Au nom de Jésus, je reçois une paix hors de tout entendement. Je vois quelqu'un du nom de Joy. Vous avez des douleurs et vous entendez des voix, des bruits dans votre oreille. Soyez guéri au nom de Jésus. Si vous êtes malade, posez votre main gauche et étendez l'autre main. La puissance de Dieu vous rend complètement guéri. Vous êtes guéri du crâne de votre tête jusqu'à la plante de votre pied. Vous êtes affranchi, complètement guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le moment des offrandes maintenant, chers téléspectateurs. Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Préparez vos offrandes maintenant, chers téléspectateurs. Partout où vous nous suivez, que vous soyez au Ghana, en Afrique du Sud, en Amérique et les pays aux alentours. En Afrique du Sud et les pays aux alentours, en Afrique de l'Ouest, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire, Bénin et les autres pays aux alentours, vous avez les différents moyens de transaction d'accord pour faciliter l'envoi de vos offrandes et semences selon les dispositions bancaires dans votre pays. Et bien, suivez simplement les différentes informations et les directives affichées à l'écran afin d'effectuer vos transactions diverses. Vous êtes dans les pays de l'Europe. Vous avez également les moyens de transaction disponibles pour envoyer vos offrandes. Et pour les abonnés MTN Mobile Money dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et d'autres d'accord qui ont l'abonnement MTN Mobile Money, et bien utilisez également votre application de MTN Mobile Money selon votre pays d'accord et faites vos transactions pour envoyer vos offrandes. Nous te remercions, Seigneur. Le Seigneur nous a instruits et vous devez comprendre quelque chose, que donner se fait sur la plateforme de la générosité et de façon volontaire. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, quand vous donnez, eh bien, Dieu vous bénira. Que vous soyez en Afrique du Sud, au Ghana, en Amérique, partout où vous êtes, au Kenya, au Sierra Leone, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous envoyez vos offrandes volontairement et généreusement. Père, nous te remercions et je demande, Seigneur, bénis tous ceux qui donnent aujourd'hui au nom de Jésus. Bonjour papa, Dieu a été bon envers moi et ma famille. Je remercie particulièrement Dieu pour le rétablissement, la restauration de ma vie. Deuxièmement, papa a prophétisé en juin 2024 qu'il y avait 18 personnes qui reçoivent des visas. Je me suis connecté pour mon fils et Dieu merci, car Dieu a accordé le visa canadien à mon fils après la prophétie. Merci Jésus, Joy et Mordi de l'Afrique du Sud. Je déclare que les visas soient délivrés à ceux qui le désirent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu pour ses nombreuses merveilles. Papa avait prié pour une augmentation de salaire et Dieu m'a fait miséricorde. Et effectivement, eh bien, mon médecin m'a fait appel le 5 août pour obtenir un poste plus élevé qui était accompagné d'une augmentation de mon salaire. Merci Jésus, Ginika Wenke de Lagos. Seigneur, fais croître tes bénédictions sur ton peuple, que leur fortune s'accroisse. Je vois quelqu'un qui est en train de frire. Vous êtes en train de frire? Je vois quelqu'un en train de frire quelque chose dans sa maison et quelque chose qui allait
causer une explosion de gaz. Mais Dieu vous préserve au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je remercie Dieu pour la libération de mes papiers, les papiers de mon mari, après avoir envoyé une demande de prière. C'est fait. Merci Jésus. Christina William de l'Australie. Seigneur, reçois toute la gloire pour ce témoignage. Et nous en recevons les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Présentez vos requêtes personnelles maintenant à l'Éternel. Père, te remercions pour exaucement au nom de Jésus-Christ. Recevez l'argent miracle, une augmentation de salaire, un meilleur emploi, recevez vos visas, vos passeports, vos permis de résidence permanente au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Alors prenez note des différentes informations affichées à l'écran. Ce sont là les lignes d'appel gratuits. Du centre d'appel de Merveille sans nombre. Une équipe s'occupera de vous et l'on priera avec vous au besoin. Et voici d'accord le rappel de nos différentes croisades. Eh bien, on sera d'accord au Cameroun, on sera en Colombie, on sera à Houston, on sera en Côte d'Ivoire. Très, très bientôt, dans les jours à venir, on sera en Côte d'Ivoire. Nothing is our last American invasion for the year. Nothing. Et donc en Amérique, à Houston précisément au Texas, eh bien, que rien ne vous empêche, d'accord, de participer à cette croisade, car ce sera le dernier tour pour cette année. Donc si vous vivez, d'accord, aux alentours de Texas, les environs de Texas, Houston, eh bien, préparez-vous, d'accord, pour vous enregistrer et utiliser, d'accord, votre appareil scanner pour pouvoir vous enregistrer. Vous voyez déjà, d'accord, en fait, le code barre, d'accord, en fait. Donc, allez simplement sur nos sites. Et vous allez voir, d'accord, en fait, le code barre pour vous enregistrer. Utilisez votre scanner et enregistrez-vous. Donc, même à l'instant même, vous pouvez le faire déjà, scanner déjà, parce que le code barre est là pour vous enregistrer pour cette conférence. Alléluia. Just get your phone, your handset, your mobile phone close to the screen of whatever you're watching for and scan. And say, I'll be there. Donc, utilisez simplement votre téléphone, votre scanner et scannez. C'est pour cela que nous avons laissé, d'accord, l'image là longtemps. Vous pouvez déjà, d'accord, vous enregistrer à l'instant même. Il suffit simplement de scanner le code barre là et enregistrez-vous, d'accord, pour cette croisade. Or from any part of Africa, it's important. You can look into his life and say, Father, this man of God, I connect to the healing grace on their life, the prophetic grace on their life. Alors, selon d'où vous allez venir, même si vous venez de l'Afrique, d'accord, en fait, pour cette conférence, eh bien, vous pouvez décider, d'accord, de vous connecter à la grâce de Dieu sur la vie de ces hommes, d'accord. Donc, c'est à vous de décider. Vous pouvez également décider de devenir un partenaire ou de soutenir cette croisade, d'accord, selon comment l'Esprit vous guide. Donc, vous pouvez également le faire et vous avez les informations qu'il faut pour faire cela et Dieu vous bénira. Alors, je vous retrouve mardi. N'oubliez pas, voici un bon lundi. Vous sortirez en puissance, en grâce et vous reviendrez chez vous avec des témoignages. Donc, je vous retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un dise, mon heure a sonné. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer.